Bonjour chers spectateurs, je suis Alexandre Soudariv et je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne officielle YouTube. Nous continuons une série de vidéos dans lesquelles nous parlons de la transformation d'un véhicule de l'avant blindé en véhicule électrique. Nous sommes dans l'atelier de bobinage de la société d'ingénierie Sauvelmash, où les spécialistes travaillent maintenant sur des moteurs électriques qui seront ensuite installés sur le VAB. Un moteur sera installé sur chacune des 8 roues. Comment cela se passe? Le moteur de base est un moteur de type AIR-100. C'est une assez bonne série de moteurs. Dans nos vidéos, nous avons même montré un aperçu de moteurs de différentes séries que nous avions testés et dont nous avions enregistré les caractéristiques. Selon les résultats, ce moteur de développement soviétique s'est très bien comporté. À ce jour, il est l'une des meilleures options pour nous. L'abréviation AIR signifie Asynchrone International Russie. C'est une blague. En fait, A signifie moteur asynchrone, I est une lettre d'une série unifiée, R montre la relation entre la puissance et la taille du moteur selon une certaine norme GOST. Le choix de ce moteur n'était pas aléatoire. Voyons donc comment se déroulent les travaux. Vous voyez un moteur standard qui n'a pas encore subi de modifications et un autre moteur qui a déjà été modernisé en utilisant la technologie des bobinages combinés Slavenka. Vous pouvez donc voir ce moteur dans la version prête à l'emploi. Quelles sont les étapes du travail avec des moteurs électriques? Je vais vous l'expliquer et les caméramans vous montreront tout cela autant que possible. Initialement, le moteur de base a été démonté, tous les bobinages ont été coupés, la boîte de raccordement a été retirée, puis les spécialistes ont fait des calculs pour le circuit électromagnétique. Dans notre cas, c'est déjà fait. Ensuite, le moteur devra être rempli d'isolation de rainure, la boîte principale reste d'ailleurs standard. Puis les bobinages seront enroulés de manière automatisée. À partir de ces bobinages, les sections seront ensuite assemblées. À l'étape suivante, les spécialistes posent des bobinages dans le moteur. Après cela, le moteur est recouvert de vernis et les raccordements de bobinages sont préparés. Ils sont assez grands, la boîte de raccordement standard ne convient d'ailleurs plus. Par conséquent, nous utiliserons une boîte plus grande. Tout cela est monté et, si nécessaire, des plaques de transition seront fabriquées. En résultat, nous obtenons un moteur qui répond à notre objectif, à savoir la création d'un hybride cohérent pour notre tout-terrain électrique. Ces travaux ne semblent pas être compliqués. Mais en fait, il s'agit d'une tâche exceptionnelle qui nécessite beaucoup de temps et la participation de différents techniciens spécialisés. Bien sûr, une fois que le moteur sera fabriqué, il va subir une série de tests dans notre laboratoire d'essai. Là, toutes les caractéristiques sont relevées pour être ensuite comparées avec les caractéristiques déjà calculées. Si les résultats sont satisfaisants, ce moteur sera placé parmi d'autres moteurs qui attendent un montage ultérieur. Je pense que pour le moment, nous n'allons pas approfondir ce sujet. Nous vous avons déjà brièvement parlé de ce qui se passe. Suivez attentivement nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube officielle. Et vous trouverez encore plus d'informations intéressantes. Au revoir.